Gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on avec équipe TV Caraïbes là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parler de dossier insécurité et équipement PNH qui crasé. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes là veut saluer tout abonné nous yo. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, ça permet ou faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo en ouais. Dossier insécurité avec responsable collectif 4 décembre yo qui mandé autorité concernée yo pour prendre toute disposition pour freiner zak insécurité en dan pays ya. Coordonnateur collectif là, Jean-Robert Hagan expliquait situation difficile en pile pour population et Jean-Robert Hagan mandé responsable yo pour agir pressé pour capable freiner zak bandi yo. Et nous voulons faire connaître tout dernière information passée. Et PNH gan pile équipement qui crasé, nous allons vite au suivi pour plus de détails. Nous pas perdre du temps, n'a pas commencé cool yeah! Et nous n'est exempt que dans la rue qu'on a couteau marché, personne passe en sécurité d'après une de nous là qui croit que nous cap aller dans la rue pour nous sûr que pas gagner rien. Privé dans le domaine de l'insécurité, ça. La preuve, nous-mêmes, journalistes, nous avons des confrères, nous, qui ont tué tout. Même si on a tué policiers, même si on a tué une société civile, là. Il ne faut pas que vous quittez que c'est la peur qui mène. Parce que la peur a plutôt fermé, puis c'est fermé en dedans, et puis qu'on y a détruit tout. Non, il faut que l'on ensemble, nous reprenons force, l'une et de l'autre. Il faut vaincre cette peur et exprimer justement ce rejet de ce qui se fait. Donc nous dans ce message ça, nous dans ce message qu'on y a bandit, parce que nous dit que chemin qui ont emprunté par l'avantage. Il faut que tu as commencé à repenser vie par yo à vie famille tout. Prend des mesures qui remettent la confiance. Direction générale de la police nationale d'Haïti qui dit les saisies ouais après convocation policier Yannick Joseph dans l'inspection générale. Il y a un groupe moun, certains là-dedans, yo kagoulé, à quelques policiers qui fait tête yo passer comme membre syndicat la loi à règlement PNH là interdit. Débarquer à exam, tirer et puis craser équipement institution. Direction générale là, condamner sans réserve Zaksa et puis menacer prend sanction administrative contre tout policier qui participait dans Zaksa et puis traîner devant la justice tout le monde qui impliquait la donne. Nous te présenté matin pour le juge n'était capable de tendre à Anel une troisième fois, mais c'est très malheureux, le juge n'a pas présenté. Nous n'avons pas de motif là. Anel n'est pas venu tout. Celle-là nous connaît depuis jeudi, juge n'a pas envoyé extraction dans la pénitentiaire nationale. Participation de la police, là, c'est fait exactement ça l'habitué faire. Renforcer disposition de prévention, d'accord? Pour agir sous possibilité de crime d'un commettre. Et comme il n'est pas toujours réussi à 100% dans la disposition de prévention, à ce moment-là, intervenir à travers structure de répression, l'aime parler de répression, on va parler de répression de la criminalité, arrêter Mounsayo, traîner par devant autorité de justice, yo même pour capable de dire le droit. Trois dernières opérations, ça finit? Opération ça, la durée de 6 mois. Donc, il était commencé au début du mois de novembre, donc jusqu'à présent là, l'a continué. Et il a continué sous 10 départements géographiques qu'il y a jusqu'à ce que nous fassions un bilan global pour nous dire que toile d'araignée nous a commencé en début de mois de novembre. Voilà que nous mettons fin là-dedans. Mais bilan, mais quantité de monde arrêté, mais quantité d'armes et de munitions et que nous saisis. Maintenant, commandement, la police, la directeur général, là, dont les mêmes personnes, on va le penser à un autre plan d'opération, et puisque quand même, on a toujours connu le phénomène. Mais, un bagage qui est important, et Sergino, c'est que chaque chef de juridiction, chaque commissaire de police qui est responsable en juridiction,
chaque directeur départemental toujours gagne un plan annuel de sécurité. OK? Côté le rentrer tout événement qu'a gagné pour arriver pour année, c'est justement son petite parenthèse, nous va parler là pour carnaval là. Et population hein? Et encore une fois la police là, c'est la police liée. Et de 95 à nos jours, nous avons 25 ans là, en juin, et nous avons fêté 25e année nous. Et la police là, pour que les gens font un rien qui montre que la face population, il n'a pas droit de faire ça tout. Donc, il est toujours à côté population, hein. Nous demandons des populations, hein, pour appui et davantage, bah, nous. Nous remercions pour le travail, il permet de nous commencer à faire. Parce que nous pas qu'à travailler sans information, nous pas qu'à travailler sans renseignement. Et population, hein, c'est partenaire privilégié, nous. Et c'est ça que fait proximité, nous, nous travaillons avec, nous travaillons davantage pour nous arriver picoler avec population, hein, pour nous capables de combler à temps. Voilà. Équipe TVKA et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne, non? C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable jouer nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.